Non mais je vais jamais trouver là, c'est pas possible. Ça va, frérot ? Ça va, mon frère. Bien. Je t'ai un petit café ? Allez, il faut que j'annonce une super bonne nouvelle. Vas-y. Au bureau, ils viennent de me nommer chef de service. C'est magnifique ! Exceptionnel. Mazal tov. Ah, je suis trop content, merci beaucoup. Dis-moi toi, entretien, ça s'est bien passé ? Bah écoute, on verra. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, mais en tâche. Mais en tâche. Ouais, Manu ? Ouais, regarde. Pour le job, ils m'ont dit non. Alors je vais savoir, t'as pas un plan pour que je rentre dans ta boîte ? Bon. Ok, c'est pas grave. À la plus. Alors les mecs, on fait des Chaim ? Ah. Allez, Chaim pour mon nouveau boulot. Ah oui ? Ah ouais ? Alors, où tu travailles ? Je commence à travailler demain dans la boîte de Manu. Quoi ? David, reviens. Lâche-moi. David, mais deux minutes, je peux tout t'expliquer. Il y a un quiproquo, tu comprends qu'il y a un quiproquo? Je te promets que c'est vrai. Il me l'avait demandé il y a longtemps. T'es en train de te prendre la tête. Y a rien de grave. On avait parlé de ça lui et moi avant. Tu comprends? Je te promets, c'est vrai. Écoute-moi. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Voilà, pour moi, c'est comme si t'étais mort. Oui, allô ? C'est Manu, il a eu un accident. Il est entre la vie et la mort. J'arrive de suite. Écoute-moi. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Voilà, pour moi, c'est comme si c'était mort. Je suis désolé, nous n'avons rien pu faire pour lui. C'est pas possible. Allô, Manu ? Et si tu lui pardonnais maintenant ? Celui qui est lent à s'irriter et facile à s'apaiser est un homme pieux. La bénédiction ne réside que là où se trouve le shalom. Celui qui pardonne rapidement est digne de louange. Parlons-en sur torahbox.com/c18.